on vous emmène faire un petit tour. Une place qu'on va presque toutes les semaines avec un couple d'amis dans un restaurant chinois. Je ne sais pas si vous avez ça en Europe, mais c'est comme un buffet à volonté. C'est vraiment à l'américaine. On va aller manger un petit peu et après on va aller faire un petit tour à Sainte-Agathe. Mais belle journée comme ça, une fin de semaine, ça monte dans le nord, c'est incroyable. Le trafic, c'est ça que ça donne. Ça c'est côté, ça monte côté nord. C'est toujours comme ça. On y va. Sainte-Agathe, on va arrêter faire un petit tour. C'est qu'on a amené les enfants, souvent quand ils étaient jeunes, au go-kart à Val-d'Or. C'est sur notre chemin. On va arrêter faire un petit tour pour ça. Thank you.
on rentre dans Saint-Agathe. Enfin, je suis pas bien loin. C'est à peu près, je dirais, une demi-heure de la maison. Thank you.
Sur ces images. J'espère que vous appréciez notre petit tour de Sainte-Agathe. On a bien des places qu'on va aller. J'avais l'idée d'aller à Val-d'Avril. C'est tous des endroits qui sont vraiment pas bien loin de la maison, puis que je trouve que ça vaut la peine d'être visité, puis de vous les montrer. En espérant que vous avez aimé ça. Ça, c'est la plage principale de Sainte-Agathe, du lac des Sables. C'est très achalandé, comme vous pouvez voir. Puis là, on est en fin de journée. Il est rendu 17h10. Fait que c'est achalandé pour à peu près. Ça continue comme ça jusqu'au soir, jusqu'au coucher du soleil. Et en tout cas, j'espère que vous avez aimé. Puis comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bye.